pode se levantar, que não pode ficar em pé, que não pode se endireitar. Ça, c'est Tom na Fazenda. Une tragédie puissante et sensuelle, présentée au Théâtre des Jacobins le jeudi 18 avril à 20h30. Après la mort de son amant, Tom, dévasté, se rend au fin fond de la campagne pour ses funérailles. Dans la ferme familiale endeuillée, la survie tient au mensonge. Ce deuil vient brutalement percer des silences. Dans une esthétique brute et sauvage, cette lutte charnelle entre l'amour est bouleversante et bouillonnante d'espérance. Un spectacle en portugais brésilien surtitré en français, mais un portugais qu'on oublie facilement. On est plongé dans un univers avec une mise en scène à couper le souffle, à retourner, mais littéralement. C'est brutal, c'est plein d'émotions. Une histoire trash parfois, mais qui fait du bien. C'est un spectacle qui a été présenté le 18 avril au Théâtre des Jacobins et qui a connu un grand succès, qui a été récompensé dans le monde entier et qu'il ne faut rater sous aucun prétexte si vous le voyez, si vous en avez la chance. Voilà, par la compagnie Quadro Vivo.